Bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Hello Neighbor parce que, eh bien, vous avez certainement dû le voir puisque je suis comme d'habitude toujours à la bourre. Il y a la version finale, je crois que c'est la finale, de Hello Neighbor qui est sortie il y a quelques jours. Et clairement, c'est un jeu sur lequel on a passé de très bons moments, alors je vous propose qu'on continue. Let's go! En vrai, cette musique, elle est cool, hein. Allez, c'est parti. Je suis comme un dingue. Acte 1. Ok, donc on est le garçon. Bon, ça change pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a la maison de Miguel là à gauche. C'est la maison de Miguel? Bah oui, c'est sa maison. Ah, je sens qu'on va l'envoyer chez lui. Qu'est-ce qui se passe chez Miguel? Il nous a vu. Pourquoi je peux pas bouger? C'était fait exprès. Oh, c'est trop bien fait en vrai. Ok, bon. Nous nous réveillons. Attends, là c'est chez Miguel et là c'est chez nous? Mais non. Oh, mais c'est trop bien! Attends. Ah oui! Me gusta! Oui, me gusta! Ça marche toujours autant. Par contre là, on est littéralement un bambin là. On est tout petit quoi. Mais regarde-moi ça, on dépasse même pas du plan de travail. Non mais c'est pas possible, il y a un problème là. Les meubles sont géants. Comment tu vas atteindre le truc là-haut? Bon, est-ce qu'il y a des choses chez nous intéressantes? Ok, bon. On n'a pas de voiture. On a des débris devant chez nous. Mais rien de très utile. On va juste prendre le coffre. Le coffre, n'importe quoi. Le couvercle. Non, là, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut aller chez les voisins? Ou toujours pas? Toujours pas, ok. Ça paraît logique d'un côté. Il est là, Miguel. Miguel, bonjour! Ça faisait longtemps. Il n'est pas devant chez lui. Mais il l'a mis où? Oh mais je commence déjà à stresser là. Et ça fait quoi ça? Ok. Ah là c'est fermé à clé parce que c'est là où on doit aller. Oh putain de merde. Je sais pas où il est. Est-ce qu'il sait où je suis? J'ai une brosse à dents et du dentifrice. Merde. Oh merde. J'ai toujours la brosse à dents et le dentifrice. Ok, bon. Je sais pas si ça me sert à quoi que ce soit, mais allons-y. Il y a toujours le courant ici. Mais la maison est minuscule. Genre, il n'y a plus le train-train et tout, quoi. Bonjour, Miguel. Mais... je fouille ta chambre, j'ai pas le droit? Le truc c'est que j'ai peur, je sais pas maintenant comment il réagit avec la caméra et tout. Je suis en train de me chier dessus! Putain, j'avais oublié à quel point il m'avait traumatisé, je suis à la con. Ah, mais il y a un sous-sol! Faut que je mette des cartons. Il a plus de cartons. Ah si, il a des cartons. Il y a de la glu. Je crois que c'est des cartons englués. Ouais, c'est ça. Oh putain. Et là, il y a quoi là? Là, il faut le tournevis. Ça me demandera de monter sur le toit, d'accord? Mais il est où là? Je l'entends faire des bruits chelous. Oh con!
Non. Non. Est-ce que c'est lui qui a la clé ou pas? Parce que si c'est lui qui a la clé et que ça ressemble à une des alphas, dans ce cas-là, il faut qu'on mette le somnifère dans son lait ou je sais plus quoi, là. Ça tout space, on est bien content, hein, mais qu'est-ce qu'on en fout de sa pâte à dents, là? Oh, je viens de comprendre pourquoi les Québécois, ils disent pâte à dents. C'est tout space. Putain. Je pense qu'il faudrait... Oh, il y a la clé, là. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y foute? C'est juste pour me permettre de dire... Oh, il y a la clé ici? Non, calme-toi, je t'ai vu. Je t'ai vu, t'es pas gentil, je le sais. Maintenant, tu te calmes tout de suite, tu me laisses tranquille. Mais j'ai pas de pot de colle. Il a plus les pots de colle? Oh. Pardon, excusez-moi. Mais goûte à ce jeu. Oui, j'aime beaucoup les poubelles. Mais c'est celle de Miguel. C'est pas les miennes, les poubelles. Ah, mais attends, non, en fait, c'est déjà ouvert ici. Merde. Ah. Non. Vite. Sauf qu'il peut. Ah non. Ah si, il envoie de la glu maintenant. Il renvoie, ça y est. Ah, je te reconnais mieux, Miguel, là. Oh mon dieu, mais je vais me prendre une crise cardiaque sur le jeu à la con. En vrai, je suis content parce qu'il est moins buggé. Non, j'espère, parce que c'est une version finale. Mais genre, il te spot un peu moins pour rien, en fait. On peut pas monter là-dessus. Ah si. Oh merde. Mais il est où? Il est là. Oh merde. Fuck. Fuck my life. Pourquoi je suis là? Ah non, hein. Ok, je ne peux rien faire. Mon dieu. Il a eu un accident de voiture. Miguel a eu un accident de voiture. Tiens, poubelle. Il a pas la clé autour de sa taille. Elle est bien, genre dans la pièce qui se situe là, je pense. La pièce, bah la fenêtre rouge pour la clé rouge, ça paraît évident peut-être. Où est la clé de la pièce là en fait? Non, il faut que j'aille dans cette pièce pour pouvoir ouvrir ça, je pense. Sauf que pour aller dans la pièce du coup qui est là, il me faut une clé. Appelle-moi Captain Obvious. Bon, je commence plus en plus à me dire qu'il y a un truc avec ça en fait. Est-ce que... Attends. Putain, j'ai du mal avec ce truc, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre, en fait. Genre, il y a limite une échelle, c'est une échelle, ça limite, c'est genre en mode bonjour, est-ce que vous allez sur mon toit? Ah bonjour, d'accord, ok, excusez-moi. Après, je pense que monter sur un sac poubelle, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Attends, viens, on va chercher des cartons. Des cartons! Parce qu'un sac poubelle, c'est pas pratique pour monter dessus. Mais j'ai cassé la gueule, là, bah oui. C'était écrit. Attends, ils sont pas bien mis, là. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse vite, en fait, là. Ce qui me chope d'en bas. Oh putain. Oh, clairement. Ah. Oh my goodness. Pardon. Mais... Non, reviens là. Il peut monter en haut de chez lui? Attends, il peut monter jusque là? Pourquoi on peut pas regarder? On peut plus regarder à travers les serrures là? J'ai entendu, ça a ouvert un truc. Il y a des bruits chelous. Apparemment, une poubelle no me gusta. Mais j'entends un petit clic en plus. Est-ce qu'il faut ouvrir les deux fenêtres? Mais... Ah oh. Genre what the fuck. Genre total random. Mais est-ce qu'il peut accéder ici? Ah, bonjour. Une clé jaune. Pour ouvrir cette magnifique porte. Ok. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il me retournait. Je l'entends, mais il va m'arriver dessus d'un coup, je vais hurler. Un coussin au cas où, c'est une petite sieste. Ah bonjour, une clé. Par contre, je pense pas que ce soit la clé rouge, ça me paraît un peu trop évident là. Donc maintenant, attends, donc là on a juste une clé. Ça, ah, c'est, putain, c'est ça. Ok. Ok, l'aimant. Oh. Mais gusta. C'est beau. Mais qu'est-ce qu'il y a de métallique? Si c'est ça. Attends. Je pense qu'il me manque encore un carton là. Ah mais la clé jaune, on s'en fout, on a ouvert la porte. Toi aussi on s'en fout. Là ça, ce truc. Non. Je me suis trompé de touche, idiot. Parce que là la clé elle veut pas venir. Non. Mais ça. Oui. Oui, pourquoi pas.
Et ça, c'est pour crocheter une serrure, les gars. Ça, je m'en souviens d'une des alphas. Et le pied de biche, j'ai encore rien vu qui nécessiterait un pied de biche. Mais bon, le truc pour crocheter. La clé. Ok. Laisse-moi tranquille. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Là, il y a une planche. Oups. Dame. 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 Oh non. Sauf qu'il peut... la clé, je pense qu'on en a. Ok, elle est là. Va-t'en. Allez, barre-toi, Miguel. En plus, il, genre, il est comme par hasard, il est vers l'échelle, quoi. Mais putain, mais c'est pas possible! Barre-toi, boudin baveux! Il me lance des tomates, là. Je vais mettre un coup de clé à molette, moi. Ch'toum. D'ailleurs, je vais la mettre là, la clé à molette. Parce qu'on va pas risquer, ça c'est pareil. Oh, quoique, non, je vais la garder, parce que sinon on en a besoin dans la salle. YOLO! On trompe toujours de touche. Viens là, le réveil. Je sais pas le réveil, je me dis que ça peut être utile. Ok, bon, les gars, on a la clé du sous-sol. Mais on dirait une chambre... Ouais, c'est une chambre d'enfant. Ok. Mais du coup, je vois pas... Mais à mon avis, j'ai pas fait le vrai truc, hein. Je pense que j'ai pas fait le bon truc, parce qu'on est censé passer par la fenêtre, non? Ah bah, pourquoi elle est levée maintenant? Oh putain. Est-ce que quand j'ai fait ça, ça a pas fait monter le truc là-haut? Mais comment je peux activer le truc là-haut? Enfin... Je suis en train juste de comprendre, parce qu'à mon avis, je suis pas censé être passé par là, c'est juste moi et... mes idées farfelues... Et comment t'es censé faire? A mon avis, on est censé mettre un truc et c'est censé tomber sur le levier et on a le temps de redescendre, un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Ça me paraît difficile autrement en fait. Bref, du coup, nous avons la clé rojo. Donc, il est où maintenant, Miguel? Qu'est-ce qui se passe là, dans le sous-sol? Que se passe-t-il dans ce sous-sol là? Parce qu'on a l'habitude, mais. On est vraiment dans la cave là. J'aime pas trop ça. Attendez, je vais m'équiper. Hein. Ah! Je me suis bloqué, attendez. Ok, il y a un. Mais what the fuck? Non, mais c'est glauque sa mère. Hein. C'est des fausses fenêtres. Oh putain. Oh là là, mais c'est trop bien fait, les gars. Hein. Mais par contre, je me chie dessus. Attends, on va prendre des trucs pour se défendre. Oui, une poubelle. Donc attends, il y a quoi là? Ok. Ça s'est fermé. Ok. C'est chelou. Mais qu'est-ce que je dois foutre ici? J'ai peur du jumpscare là, mais. Une télécommande, on s'en bat les couilles. Vous voulez pas me donner une lampe torche là? Des assis. Ah, il y a un mannequin. Les mannequins me gusta. Il me semble que les mannequins, c'est pas mal. C'est trop chelou, les gars. Je trouve ça vraiment mystérieux de ouf. Ouais. Ah, une lampe torche. Que je me plains depuis tout à l'heure. Attends. Et voilà, parce que là il faut que je répare le truc. Je vais la fermer. J'ai pas envie de faire une connerie. Bon, bah, clairement, la chaussure et tout ça commence à me saouler. J'ai plus de place. Un mur de briques. Donc là, clairement, je pense qu'on peut prendre un mannequin et. Ok. Désolé, monsieur le mannequin. C'est quoi leur problème? Mais que veux-tu que j'y fasse? On est déjà venu ici? C'est horrible! Mais c'est quoi
ce délire? Attends, sous le lit. Mais j'ai l'impression de faire n'importe quoi en fait là. Par contre là. Il y a Miguel là. Hein. Mais comment je fais? Il me lance des tomates! Mon dieu. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis en train de mourir. Mais il est là! Mais comment tu veux que je fasse sans déconner? Oh là là! Je suis en train de décéder! De peur! Je suis déjà venu ici. What? What? Mais quel est ce maléfice? Ah mais attends, parce que maintenant je peux passer par là. Du coup je peux faire ça. En toute logique. Non! Me fais pas ça le jeu! Oh. Elles sont mortes du coup. Pourquoi il n'y a plus aucun bruit là? Là c'est ouvert. Ah, maintenant je peux? Oui! Oh my goodness. Ah! My goodness! Laisse-moi tranquille! Miguel! What? Ah! Mais vilain Miguel! Mais je suis pas censé pouvoir m'en sortir là! Acte 2. Ok. On se réveille. On est dans la pièce glauque là. Nous sommes à l'acte 2, les amis. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. On est enfermé. On est dans le sous-sol. On est dans le sous-sol. What the fuck? Là, ça vient de se casser la gueule là. Et là, ça vient de s'ouvrir. Bon, les gens, voilà. On va s'arrêter là pour cet acte. En tout cas, j'espère que ça vous a vraiment plu. Moi, j'étais vraiment à fond dedans. Genre, littéralement, ils ont super bien bossé leur jeu. Et je suppose que du coup, ça va être évolutif. Donc, au début, c'était assez simple, entre guillemets. Et ensuite, ça va vraiment aller de plus en plus glauque et de plus en plus compliqué. Là, ils m'ont donné une très très bonne dose d'adrénaline. Du coup, je crois que j'en ai pas besoin de plus. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live. Ciao tout le monde!